Yo yo, Sama Gavetto, Wagger, Atelate, bonjour à tous, je suis Abba, expert en séduction dans l'éternel, devant l'éternel. Puisqu'il y a l'éternel qui est à côté de moi, si je me déplace de trois quarts, je suis devant lui. Donc, cette vidéo est simple. Je vais vous apprendre comment séduire les femmes, comment séduire pour arriver à vos fins, c'est-à-dire la baise. Point. Donc, grâce à ce simulateur qui a été fait par Ariane Barnes, Séduire Ariane, nous allons voir tous les conseils pour bien arriver à nos fins, pour bien séduire, pour bien continuer la culture du viol présente en France, car c'est tout ce qui compte. Violer des meufs, tuer des gens. Hashtag Nordal-Lelandais. Swag. Donc déjà, j'ai un premier conseil à vous présenter. C'est, déjà, je vais faire wouh, tit, boobs, boobs. Le premier conseil, c'est soigner votre manière de dire bonjour, car chaque manière de dire bonjour permet, selon le ton, la tessiture, la gravité, toutes les notes permettent de faire penser à quelque chose. Par exemple, je vais faire un exemple. Bonjour. Et là, vous avez pensé au ketchup. Mais c'est pas moi, c'est mental, c'est tout. C'est un processus mental que peu de gens maîtrisent, mais que je vais vous apprendre à maîtriser. Il y a différentes manières. Par exemple, j'ai introduit en faisant Yayao, Yayao, Yayao. Là, vous savez que c'est sur Abba Live, c'est il va voir du fun, mais là, le fun n'est pas de mise. J'aurais pu faire bonsoir, ici Abba Live. Là, je serais juste un bolos qui porte un Lady Oscar, voilà, qui est un travelot, quoi, et qui traîne avec un chauve qui n'est pas Johnny Sins. Donc, en chauve, il y a quoi? Il y a Bruce Willis qui est au-dessus, qui pèse. Johnny Sins, ben, vu la taille de sa queue. Mais il y a un étage, le rang des chauves, il y a du monde. Par exemple, le padré, il est là. Papa, cassez-vous, Big Foley, merci. Range ton front, par contre, tu risques de péter les murs. Merci. Bon, c'est pas le tout, mais on est là pour apprendre à séduire, pour découvrir cet art millénaire. Et pour comprendre les femmes, car les femmes sont des créatures mystérieuses. Commencez. On vous a arrangé un rencard avec une fille nommée Ariane. C'est sa maison, elle vous attend. Ça va, tranquille. Déjà, c'est ça, c'est le premier conseil, c'est ne pas chasser les femmes. Hashtag pas dans la rue. C'est tellement vous suivrez mon programme, qui est en vente après dans la description. Petite réduction à 120 euros, ça fait plaisir. En fait, vous aurez tellement confiance en vous et tellement de sex appeal, de charisme, que les gens organiseront des rencarts. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc on va aller entrer chez Ariane. Bonjour, je suis Ariane, ravi de te rencontrer. Bonjour, salope. Non, ça, on évite, c'est Mamadou dans le bus. Donc on arrête. On va pas dire wesh parce que sinon on va se faire niquer notre mère. On va dire bonjour Ariane. Je suis Abba. Comment vas-tu? Donc là il me fait entrer, tu vois, il y a une confiance quoi. Il y a un truc. Entre. Faisons plus ample connaissance. Là, le simulateur est très bien fait. Il nous propose plusieurs choix à faire. Donc complimenter son regard, je trouve ça fait un peu trop fleur bleue, ça fait trop pour les PD, tu vois. Dire quelque chose d'intelligent, ben elle comprendra pas, c'est une femme. Dire quelque chose de drôle, l'humour, ben c'est exclusivement masculin. D'ailleurs, là hier Poisson d'avril, j'ai vu la mère de Beauvais a fait une blague de ouf, un Poisson d'avril, elle a dit alors qu'il y a du chômage et tout, elle a dit ouais, il y a Ikea qui va ouvrir. 4000 postes et tout le monde était chaud. Ouais, j'envoie mon CV où? Et là, elle dit, ah bah non, c'est une blague. Bah, grosse pute, reste chez toi au lieu de faire des blagues comme ça. Je sais pas, t'aurais dû dire, il y a Poutine qui arrive, je lui mets un coup de boule, je sais pas, grosse salope. Donc moi,
La bonne technique, c'est lui faire un câlin. Comme ça, on monte direct notre musculature, on lui montre qu'on peut la protéger, et là, elle se sent telle une femelle protégée, quoi. Donc, on lui fait un câlin, tu lui fais un câlin. Donc là, on peut même checker, on peut la sentir, on peut voir comment elle est bien faite, elle est bien en 3D, tu vois. On peut voir derrière qu'il n'y a pas beaucoup de trucs à chourave, donc on va rester Trunks. Câlin sapin. Là, deux choix. Lui lire un poème. Mais bon, comme je vous ai dit, les poèmes, c'était bien. Ouais, La Fontaine et tout, swag. Direct, culture du viol. Tu vois, on est indien, pas indien. Français, pas français. Hashtag pas dans la rue. Hashtag balance ton porc. Je fais le signe avec les doigts en plus. Mais vous le voyez pas. Faudrait que j'investisse dans la webcam. De toute façon, je suis déjà surveillé par la NSA et la CIA. Puisqu'ils savent que je sais que nous savions qui a tué Kennedy. Donc, c'est pour ça qu'ils me surveillent. Et du coup, moi, je suis un mec courageux. Hein, je le dis dans mon livre. Je ne mets pas de scotch sur ma webcam. Hein, je suis pas un bolos. Merci. Tous ceux qui font ça, hashtag bolos. Et je fais le signe des doigts. Donc là, direct, on l'embrasse, tu vois. Comme ça, et c'est qui le papa, tu vois. Bon, là, c'est mal fait, tu vois, puisqu'on n'a pas de caméra dans la bouche, donc on voit pas normalement. On voit et les yeux. On goût de langue. Ça fait plaisir. Là, on sent qu'à midi, elle a mangé un durum. Ça fait plaisir. Il y a moyen qu'elle se mette bien, cette meuf. Donc là, on a plusieurs phrases. Donc, je n'ai pas pu m'empêcher, tu es tellement mignonne. Ouais, ça passe. Eh bien, si nous devons aller au lit ensemble, on n'a qu'à commencer quelque part. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu beauf. C'est culture du viol, mais gentleman. Faut tout le temps rester gentleman. Je cherchais juste à savoir si nos salives étaient compatibles. Là, c'est scientifique. C'est weirdo. Voilà quoi. C'est de la merde. Et je cherchais à briser la tension. Ça, c'est pas oufissime. On va dire, je n'ai pas pu m'empêcher, tu es tellement mignonne, comme ça elle va rougir, elle va être contente. Oh, comme c'est gentil de ta part. Déjà, elle a mis son bras, tu vois, elle offre sa poitrine. Donc là, on a fait un geste qui lui fait plaisir, et là, elle veut tarot, quoi. Là, y a après, il y a quatre boutons, il y en avait cinq, le cinquième est enlevé. Je m'excuse si j'étais un peu présomptueux. Déjà, on dit, ouais, tranquille, Trunks. Tu es plutôt gentleman, tu vois, direct. Je l'ai un peu violé la bouche, direct, elle est swag, quoi, tu vois. Ça fait plaisir. Alors, que devons-nous faire ce soir? Vu que tu es mon invité, je te laisse décider. Donc là, on a plein de choix. Donc, soit on met de la musique, on danse un peu, il y a moyen de se rapprocher. Soit on l'embrasse, tu vois, histoire de continuer, mais bon, au bout d'un moment, voilà, c'est pas de la ken, quoi. Passez vos doigts dans ses cheveux. Ouais, tiens. Donc ça, c'est un peu, ouais, je suis romantique. Jouer à pierre, feuille, papier, ciseaux. Ça, le jeu, le pari, c'est risqué, c'est pas mal. Lire de la poésie. Non, on n'a pas commencé avec ça, on finira pas par ça. Et aller dans une autre pièce. Ouais, pour l'instant, on est sur les canapes, on est tranquille. J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, on va faire le lover, on va mettre de la zikmu un petit peu. J'ai une stéréo portable, que dis-tu de danser un peu? On va mettre du jazz, tu vois, c'est toujours pour pécho là, un petit jazz. Ah bien, il n'y a pas de zikmu. Ouais, bon, on s'en bat les couilles. Elle trouve ça romantique. Donc direct, romantique égale bisou, tu vois. Hop, le slow, elle est bien, elle est chaude, ça fait plaisir. Elle est prête à baiser. Tu sais mettre une ambiance romantique. Direct, là, deux bisous, là, il y a moyen de moyenner, quoi. Bon, on retourne sur le canapé. J'adore danser. Allez, on joue au papier-ciseau, puisque bat les couilles. Moi, je prends la pierre. Du coup, je la nique. Normal. Ensuite, qu'est-ce qu'on propose? Soit boire du vin. L'alcool est un allié. L'alcool est mon allié. Cargo de nuit. Ouais, mais bon, bourrer la gueule dès maintenant, je pense, c'est pas une bonne idée. Faire griller des steaks au barbecue, j'aurais bien aimé, mais je suis devenu vegan car c'est la nouvelle mode et c'est swag.
Faire une promenade, pourquoi pas, mais ou aller dîner dehors dans un restaurant. Moi, je pense que le restaurant, tu vois, ça fait toujours plaisir, puisque comme ça, la meuf, elle se dit, ce mec, il pèse, tu vois. Donc, on va dîner. Je connais un chouette restaurant. Bon, c'est pas McDo, hein. Je dois mettre une plus jolie robe pour y aller. Attends-moi ici. Moi, je suis arrivé en jogos, en mode Team Jules, Jules. Ben non, parce que si vous avez lu mon livre, vous saurez que moi, je suis tout le temps en costard, même pour faire du sport, tu vois. Donc, j'attends dans le couloir. On va voir ce que ça donne. Ouh Ça, faut pas le dire. C'est dans la tête. Maîtriser les émotions. Poker face, tu vois. T'es un peu comme. Tu vas à l'université tôt. T'es là, tranquille. Tu fais le discours d'introduction. Et là, le mec à côté de toi, il fait. Je suis elle. Je sais que t'es Kira. Tu es là, fils de pute. Là, tu baisses la tête. Tu fais. Ah ouais? Et après, t'arrives, tu sors un poignard. Et le mec, il ne sait pas. Il ne sait pas! Allez, nous allons au centre-ville. C'est à 10 minutes en voiture. Elle a un pur 4x4. Bon boule 4x4. Tu dois prendre la prochaine sortie. Nous allons dans un petit café tout près. C'est un des endroits les plus classes de la ville. Le café da Silva. Ouh, c'est la fête du football! Tout le monde est réuni. Ah, il y a une ambiance. Ah, c'est chelou. Tout à l'heure, il n'y avait pas d'ambiance, mais là, il y a une ambiance. Donc là, le menu, c'est con de mettre des deux côtés. Il y a une petite serveuse sexy, s'il y a moyen, petit trisome dans les gogues. On va commander à dîner, tu vois, Trinks. Donc, là, on a plusieurs choix. Soit on se piche la gueule, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Soit on lui parle, tu vois, en mode swag swag. Soit on la complimente. Il faut toujours complimenter, tu vois. Et là, on a des phrases de lover. Désolé si j'ai les yeux fixés sur toi, tu es si belle et la vue dehors est plutôt moche. Ça, à ce coup sûr. Tu es belle. As-tu déjà envisagé de poser nue? Cette robe en bustier est une merveille d'ingénierie. Tu es tellement jolie, je ne peux détourner mon regard de toi. Moi, je vais lui proposer un petit, puisque moi je suis un peu photographe, parce que c'est des métiers un peu stylés, c'est pas comme éboueur ou manutentionnaire. Là, photographe, je vais lui dire, ouais, tu es belle, les photos nues. Elle me dit, es-tu sérieux? Je ne suis pas mannequin. Salope. Tu es assez jolie pour l'être. Merci, je vais y réfléchir, incluant la nudité. La nudité ne me gêne pas. Voilà, là, elle est chaude. Et en plus, elle a mis la petite main pour faire. T'es un lover, lover, lover. Tu finiras par tomber, tomber, tomber. Donc là, ça a l'air d'être un peu une soupe ou un truc de vegan. Hein. Wow! Et c'est quoi ce pain? Il a l'air moisi. Bah, du coup, on va manger un petit peu, hein. Bon, bah, c'était très bon. Merci pour le repas. Je suis prête à reprendre la note. Là, on va faire le gars gentleman. On prend la note. Merci pour le dîner. Puisque, dans la culture du viol française, si on paye le dîner, la femme nous doit une faveur sexuelle. Et donc, c'est tout. C'est point, point à la ligne. Il n'y a pas à tortiller. C'est ça. C'est, tu payes des trucs. On te doit le sexe, c'est aussi simple que ça. Hein? Et c'est pas Simone de Beauvoir qui dira le contraire. Elle l'a déjà dit en 1902 que si on lui payait un saucisse bretzel, direct elle pompait la bite. Ça, c'est pas moi qui le dis. On va au Lizard Nightclub. Sympa comme discothèque, on va d'abord boire ou danser? Bon. On boira tranquille à la maison car celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et si moi je bois, je serai un déchet. Si tu bois, tu seras un déchet. Et du coup, la soirée risque de s'écourter. Alors que si on boit dans le lit, tu vois, tranquille, des mojitos là, je suis mixologue. Hein. De toute façon, je vais pas payer 10 euros pour acheter une Heineken. Hein. Je suis pas un pigeon, merci. On va danser. Allons danser. Tu lis dans mes pensées. Continuez à danser. Et c'est qui ce pervers là?
Oh, il fait quoi là, lui? Bim, prends ça, enfoiré! Il faut défendre la femme. Et là, vous avez vu un petit nichon, je l'ai passé vite fait parce que sinon, strike YouTube, quoi. Ah là là. Oh, le mec! Musc! Musc! Je suis dans l'obligation de vous demander de partir. Et déjà, d'où t'es pas crédible, tu vois. Ton t-shirt, c'est ta peau, grosse merde là, sale chien. Cette enfoirée a ruiné l'ambiance. Partons d'ici. Attends, il y a un parc d'attractions par là. Devons-nous y aller? Non, c'est pour les gosses. On va directement chez toi. On va Ken. Où devrions aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, danser. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Aller à l'épicerie. Ouais, pour acheter de la binouse. Ouais, ça sert pas grand-chose, quoi. On va aller dans le jardin, tranquille, il fait beau. C'est le début. En avril, ne te découvre pas d'un film, mais bon, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voici mon jardin. Je ne vais pas pouvoir y faire dans cette robe. On va jeter un coup d'œil au télescope. C'est un télescope que j'ai depuis des années. Mon père me l'a ramené car je traversais une période d'astronomie. Mais moi, je préfère les dinosaures. Et si tu veux voir un gros dinosaure, j'ai un diplodocus dans mon slip, grosse salope. Hé, qu'est-ce que tu fais là? Ah, ça a dû faire retour arrière. Joli, je peux jeter un coup d'œil. Pourquoi pas? On a une lune très brillante ce soir. Laisse-moi l'aligner. Combien d'hommes ont marché sur la lune durant les missions Apollo? Quatorze. Ah putain! Nique sa mère! Eh bien, c'était instructif. Bon, on va boire un petit coup. Allez, quelques gorgées de vin. Un petit peu de jacuzzi. Allez, j'attends dans le couloir. Ouloulou! Ouloulou, tu aimes mon bikini? Allons dans le jacuzzi. Et moi, j'irai avec mon zizi dans ton kiki. C'est tellement bon. Exactement ce dont j'avais besoin. Swag. Allez, on va faire un petit massage. Ça fait plaisir. Tu vois, toujours montrer la poigne de l'homme. L'homme est fait pour les biscottos, la biscotte. On est là, on soulève des tables, on soulève des poids. Ça fait plaisir. Bon, est-ce qu'on touche ses seins? Je ne sais pas. Mais on va l'embrasser, Trunks, tu vois. Oh! Mais grosse pute! Grosse salope! Mais on est en date là! Putain de merde! Hey, je veux seulement profiter d'un bain relaxant, pas d'une séance de plotage. Sur une échelle de 1 sur 10, tu obtiens 3 fins. Merde! Merde, merde, merde! Putain, tout était. Ah, en plus c'est pointé! Putain. Grosse connasse. Rochambeau! Eh ben voilà! Le râteau, on est là, on a eu un 3 sur 10. Ça fait plaisir. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo et suivez bien mes conseils de drague. La culture du viol, c'est pas très bien. Il faut être gentil. Eh, je suis gentil. Putain. Ça me remet en question tout ça. C'est peut-être pour ça que. Seul Mamadou me comprendra. Je vais l'appeler d'ailleurs. Allez, gros bisous. Allez, je t'embrasse. Allez, fuuuu! Fuuuu! Fuuuu!